Bonjour et bienvenue dans le podcast Floraison. Je suis Audrey et voici la deuxième partie du podcast consacrée au livre « Divertir pour dominer 2, la culture de masse toujours contre les peuples » dirigé par Cédric Biagini et Patrick Marcolini. Dans le précédent épisode, j'ai lu quelques extraits sur l'industrie des séries. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de jeux vidéo, de porno, de films d'horreur et de consumérisme. Est devenu un acteur fondamental du libéralisme. Par l'entremise de l'industrie culturelle vidéoludique, ce dernier s'impose dans sa version la plus technophile et peut-être dans l'une des plus pernicieuses, la guerre, un jeu comme les autres. L'un des domaines les plus marquants de cette gamification est certainement celui de la guerre. Les relations entre le domaine militaire et les jeux ne datent pas d'hier, jeux de Go, 8e siècle avant Jésus-Christ. Kriegsspiel et War Games, 18e siècle. Servent déjà de support à l'apprentissage et à l'expérimentation de stratégies militaires sous la forme de jeux de plateau. À l'heure actuelle, ces relations sont devenues absolument inextricables. D'après le travail de Tim Lenoir, historien de la philosophie des sciences, et Henry Lowood, historien des sciences et techniques, plusieurs laboratoires militaro-ludiques ont ainsi vu le jour dans les années 70 et 1990, notamment sous l'impulsion de Michael Zida, professeur à l'Université du Sud de la Californie, connu pour avoir donné naissance au célèbre jeu vidéo de propagande et d'enrôlement America's Army. Plus encore, du côté de l'armée américaine, les évolutions ludiques ne servent plus uniquement de simulation d'entraînement stratégique et mécanique comme cela avait pu être le cas depuis les années 50. Les jeux deviennent de véritables interfaces de machines de guerre. Ils ne simulent plus, dépassent la fiction et permettent d'interagir avec le vivant. Aux commandes d'un drone, un pilote de l'US Air Force retrouve l'ensemble des réflexes appris par l'intermédiaire des jeux de simulation, à travers des interfaces et des dispositifs similaires, voire identiques, le jeu étant le corps du soldat à des milliers de kilomètres de la zone de conflit, et tout en brisant la dimension fictive qui l'animait, il efface la réalité d'une seule frappe létale, dans la distance et l'abstraction du complexe informatique. À l'heure de la guerre propre, du côté des vainqueurs, les logiques qui se dessinent derrière les dispositifs des drones de guerre sont celles d'une gamification. La guerre prend les allures d'un jeu. Il est difficile d'en discerner les limites entre phase d'entraînement et phase d'affrontement. Le pilote de drone est pris dans les mécanismes préconçus d'une déréalisation de ses actes, par des systèmes utilisés et proposés en miroir des jeux vidéo industriels. Le jeu vidéo constitue ainsi une stratégie de séduction aliénante, une fabrication du consentement allant du divertissement à l'enrôlement par les compétences apprises et par la suite requises par l'armée américaine, de l'enrôlement à l'entraînement par le moyen d'adaptation de jeux vidéo en simulateur de guerre, de l'entraînement à l'assassinat par l'intermédiaire d'interfaces similaires, de l'assassinat au moment de détente avec ses collègues par la transposition des périphériques de contrôle de drones en manettes de jeu dans les temps de repos. Ce passage me rappelle un tweet que j'ai vu il y a quelques mois et qui m'a beaucoup interpellée. C'était un tweet de Florence Parly, notre ministre des Armées. Et ce tweet était assez simple et lapidaire. Elle l'écrivait en moins de 140 caractères. « J'ai décidé d'armer nos drones ». Et voilà, ce tweet m'a beaucoup, beaucoup interpellée. Déjà parce qu'il n'a été remarqué et repris par personne. Ce qui m'a étonnée aussi, c'est la personnification, c'est-à-dire le « j'ai décidé d'armer nos drones » comme si c'était une décision personnelle et absolument pas contrôlée ni par le Parlement, ni par la population, ce qui est d'ailleurs probablement le cas. Et voilà, cette phrase qui n'a eu aucun écho dans l'espace public m'a vraiment fait comprendre que la guerre était en train de devenir aussi irréel qu'un jeu vidéo. Thank you.
Chapitre suivant. Gamification du travail, l'exploitation fun. Sous le masque du jeu, et en particulier du jeu vidéo qui incorpore ses pratiques dans des systèmes informatiques desquels il est difficile de dévier, se révèle un despotisme que Tocqueville identifiait déjà en 1840 au sein de la démocratie américaine. Plaisir et jouissance de petites récompenses à court terme anesthésient les consciences et infantilisent les individus. Le jeu au service du capitalisme permet d'amollir la masse, de la contrôler par le moyen de faibles réjouissances, de divertissements, de fun. Le travail ludique ambitionne de réconcilier les intérêts individuels et organisationnels. Cette réconciliation, passant par l'entremise de systèmes capables de mesurer et de surveiller la productivité des employés, cherche à éviter l'écueil d'un travail dénué de sens en renouant avec la motivation intrinsèque des jeux. La montée en puissance de ces « serious games », si elle se généralise, laisse entrevoir un horizon dystopique, la gratification se faisant par un système de scores, de récompenses virtuelles, comme habiller son avatar ou de classement, pourrait devenir le seul objectif du travailleur joueur, alors entièrement aliéné au plaisir du jeu, oubliant même la nécessité de son salaire. La gamification au cœur du travail traduit les logiques d'une exploitation susceptible de prendre la forme d'un esclavagisme contemporain qui, par la conception d'un système algorithmique et d'un design utilisateur bien pensé en amont, ne nécessiterait pas l'usage de la violence. Saute à un passage très intéressant et je vous lis le chapitre d'après qui s'appelle Homo Ludens, Homo Economicus. La fonction première de la gamification est de simplifier, d'adoucir, de donner du plaisir mais aussi de rendre floues les différentes frontières et strates de la vie quotidienne. Les enjeux géopolitiques doivent être médiés par un écran, le travail doit être un loisir, la citoyenneté et la morale doivent figurer entre les pages d'un livret de règles automatisé par un système de données. La réalité, elle, doit être virtuelle ou augmentée de technologie, sans quoi elle ne vaut pas la peine d'être vécue. L'apprentissage doit être une facilité. En bref, la vie doit être un jeu. En promettant une vie ludique du réveil au coucher, la gamification apparaît comme un objet à multiples facettes, sociologiques, philosophiques, anthropologiques et éthiques. Mais en promulguant l'idéal d'une société où le jeu devient un fait social total, où l'ambition des acteurs n'est plus politique ou citoyenne mais avant tout ludique, elle dévoile ses liens avec l'idéologie capitaliste et néolibérale. Lorsqu'elle exploite l'appât du gain, de la récompense, le monde se trouve réifié, réduit à un rapport marchand, viscéral, fondé sur la jouissance et les sensations. De la valorisation et de la légitimation des jeux vidéo. La place qu'occupent aujourd'hui les jeux vidéo dans les débats de société est des plus paradoxales. Alors que ces jeux posent question, notamment en termes de fréquence et de durée des parties pour certains publics dont la vie sociale est perturbée, et alors que les citoyens, parents, éducateurs aimeraient avoir quelques réponses face à des phénomènes jugés problématiques, le lien entre la pratique des jeux vidéo et le décrochage scolaire, par exemple, une partie importante des travaux de recherche actuellement consacrés à cette activité ludique nie ou relativise ces phénomènes en valorisant plutôt la richesse culturelle du médium et ses aspects socialisateurs. En parallèle, la complaisance à l'égard du secteur lucratif des jeux vidéo devient caractéristique de certains médias, dans un contexte d'action, de lobbyisme important de la part des industriels. Le XXe siècle a connu des modifications sociales structurelles, une amélioration des conditions de vie, des processus de mobilité sociale jugés ascendantes. Par exemple, dans les années 60 et 70, une partie des enfants d'employés pouvait espérer devenir cadre moyen ou supérieur. Cette perspective était très importante dans l'imaginaire des familles. Celles-ci pouvaient espérer que les enfants connaissent un devenir meilleur que celui de la génération précédente. Elle était également liée à l'idée de la méritocratie, et plus particulièrement de méritocratie scolaire, l'accès aux emplois valorisés nécessitant réussite scolaire concrétisée par des diplômes. Du fait de la crise,
ce processus est remis en cause. Or, dans le virtuel, des jeux de rôle, des jeux vidéo et aujourd'hui des jeux en ligne, via Internet, rappelons-le, ils continuent d'être efficients. Dans ces dispositifs produits par l'industrie du loisir, l'expérience acquise par le personnage incarné traduit mécaniquement une montée de niveau gratifiante. Redisons-le, en parallèle au développement des jeux de paris en ligne et des réseaux sociaux, ces produits assurent donc une fonction de compensation sociale, voire de contrôle social importante. Légitimer une industrie des jeux devenus éducatifs. La figure de bon jeu vidéo pédagogique a notamment émergé suite à la publication en 1993 d'un livre des frères Le Diberder, homme de médias, intitulé « Qui a peur des jeux vidéo ?». Les auteurs se livraient à une apologie de Civilisation, première version du jeu édité en 1992, dont ils soulignaient la dimension pédagogique et affirmaient « Il nous semble également évident que certains professeurs d'histoire pourraient faire un usage très fructueux de Civilisation ». Cette thèse fit en quelque sorte école, notamment auprès d'enseignants joueurs qui trouvèrent pertinente l'idée d'utiliser certains jeux en classe, estimant pour notre part que ces produits commerciaux véhiculaient une vision de l'histoire biaisée, imprégnée de références idéologiques discutables, toute une partie de notre travail consista à analyser le contenu de ces jeux pour en souligner les biais. L'étude du scénario de Civilisation révélait que le programme induisait des dimensions comportementalistes discutables en fonction des peuples. Il en est ainsi de la valorisation des Américains, alors que les Zoulous étaient dépeints comme des féroces guerriers, arriérés dans le domaine technologique, et que les Russes apparaissaient comme un peuple intrinsèquement agressif. Ultérieurement, le travail mené avec Tony Fortin sur les versions suivantes du jeu et ses produits dérivés permit de compléter ces analyses en attestant de l'évolutionnisme et de l'ethnocentrisme développés là. Là, je saute un petit passage. Vos parents ne seront sans doute pas d'accord et pourtant des spécialistes l'affirment, les jeux vidéo sont bons pour les enfants. Aux États-Unis, on a compris depuis longtemps que les jeux vidéo étaient une nouvelle manière d'apprendre. Les éditeurs créent désormais des jeux intelligents avec Civilization ou Age of Empires, on apprend l'histoire. On comprend l'intérêt du processus étant donné le public visé, mais aussi le caractère démagogique de la démarche. En novembre 2006, le magazine Carrefour Savoir, distribué alors gratuitement dans cette chaîne de supermarchés, se mettait au diapason. Là, un article intitulé « Je ne joue pas, je me cultive » développait le discours de légitimation en vogue dans les médias suite à l'opération de lobbying évoquée. N'ayez plus honte de vos loisirs favoris, les jeux vidéo sont passés en quelques décennies du statut peu flatteur de divertissement pour enfants à celui de bien culturel de masse, pouvait-on lire. À l'automne 2014, Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière, alors membres du parti de gauche, avaient tenté de critiquer les ressorts idéologiques d'Assassin's Creed Unity, jeu vidéo loué par la critique, car présentant des aspects historiques de fort beau graphisme et étant produit par une société française, Ubisoft. Selon eux, l'image quasi monstrueuse qui était donnée dans ce jeu aussi bien de la Révolution française que du peuple, ou de figures telles que Robespierre, ne faisait que reproduire les clichés de la propagande contre-révolutionnaire des deux derniers siècles à l'encontre de certains personnages ou moments de l'histoire, et tendait à instiller dans l'esprit des joueurs l'idée que toute révolution finit en bain de sang. Il s'agissait là d'ailleurs de l'une des rares critiques politiques un tant soit peu argumentées de ces dernières années contre le contenu idéologique discutable d'un jeu vidéo. Toutefois, Mélenchon et Corbière critiqués, voire même brocardés de toutes parts par des gamers, leur soutien médiatique et journalistique et par les soutiens médiatiques des industriels du jeu, durent reconnaître ne pas y avoir joué et cessèrent de se positionner de manière, disons, critique sur ce terrain. Le journal du Geek rapportait même 2 ans plus tard que Jean-Luc Mélenchon tient le jeu vidéo en haute estime et le dit haut et fort. Chose amusante, il a également précisé sa pensée sur Assassin's Creed Unity, en reconnaissant que s'il n'était pas d'accord avec le propos du jeu, il est d'une splendeur, il est d'un aboutissement technique absolument magique. Sic. Il est assez problématique de voir Mélenchon reprendre ici un des arguments promotionnels du jeu, alors que l'on pourrait par ailleurs, plus globalement, s'interroger sur le sens politique des scénarios de cette série de jeux, développant la logique de l'assassinat ciblé dans la veine des jeux post-11 septembre. Le chapitre suivant s'appelle « Cultures extrêmes ». »
cultures extrêmes. Premier chapitre. Pornification, le stade pornographique du capitalisme. Depuis le magazine Les Inrecuptibles, qui publie depuis près de 20 ans son numéro estival sexe, défense et illustration des dernières fantaisies à la mode dans le domaine, jusqu'aux universitaires qui évoquent à l'envi l'existence de véritables cultures pornographiques, toute une partie de la presse et de l'intelligentsia de gauche semble considérer cette pornification généralisée comme un phénomène aussi naturel que le renouvellement des modes ou l'évolution des mœurs. Une porn culture serait en somme apparue qui ne serait qu'une facette de plus de la pop culture. À contre-courant de ces formes de banalisation ou de relativisme, il importe d'affirmer que cette vague du porno ne relève pas simplement du divertissement et n'est pas qu'une reconfiguration de la culture de masse. La pornification doit être replacée dans le contexte plus global des mutations contemporaines du capitalisme et de l'industrie, au regard desquelles elle apparaît plutôt comme une forme particulièrement exacerbée d'impérialisme de l'économie et de la technologie sur nos esprits comme sur nos corps. Pour s'affirmer face au monde comme une activité légitime, le porno se présenterait non comme une industrie, mais comme une culture à part entière. Si ce tour de passe-passe a été possible, c'est parce que le sens humaniste du mot « culture », la fréquentation des classiques, l'approfondissement des connaissances et l'exercice de la réflexion comme facteur d'accomplissement, était déjà concurrencé depuis un moment par la nouvelle définition que les sciences sociales avaient progressivement donnée à ce terme, une manière de vivre et de penser qui se cristallise aussi bien dans les œuvres que dans les objets usuels, les gestes ou les comportements. En ce sens, parler de porn culture aujourd'hui, c'est adopter d'emblée le vocabulaire des industriels du secteur et se soumettre à leur stratégie commerciale. Je vais vous lire un passage du chapitre suivant qui s'appelle « Sexploitation maximale ». Le porno étant la pointe la plus avancée du capitalisme contemporain, il n'est guère étonnant d'y retrouver l'exploitation la plus sauvage. Depuis l'irruption de MindGeek, l'ex-actrice Ovidie avance le chiffre de paie divisé par deux pour les femmes tournant dans le X. Ce qui est certain, c'est que le mode de rémunération a complètement changé, évidemment en défaveur des actrices et des acteurs. Ceux et celles qui sont sous contrat avec de gros studios et qui se voient donc verser un salaire régulier en échange de leur apparition dans un nombre défini de films ne sont plus qu'une minorité. La majeure partie des interprètes de films X sont des indépendants, le plus souvent des amateurs qui essaient de se lancer eux-mêmes dans le métier. Or, ce statut ouvre la voie à une exploitation renforcée. La norme, qui était de payer à la journée de travail, est désormais de payer à l'acte sexuel, ce qui revient à remplacer le salaire garanti par une rémunération à la tâche, comme dans l'industrie au XIXe siècle ou aujourd'hui, les entreprises comme Uber. Pire encore, en l'absence de toute réglementation, les journées de travail des acteurs et des actrices peuvent durer de 2 à 12 heures, voire plus. On pourrait imaginer que la situation des cam girls est plus enviable. Ce serait oublier qu'elles sont à la merci des plateformes, leur fournissant l'infrastructure de diffusion qui leur prélève en moyenne 70% de leurs revenus, et qui font varier ces revenus en fonction des bonnes ou mauvaises notes décernées par le consommateur. L'économie du X va jusqu'à mimer celle financiarisée du néolibéralisme. Ainsi, l'industrie du X a-t-elle mis en place une bourse qui, en confrontant l'offre et la demande, fixe le prix des actrices, considérées comme de vulgaires matières premières. Cette bourse, c'est le site Free Ones, qui fournit clips et quantité de données à propos des actrices X et des catégories rencontrant le succès. Le top 10 du site est un outil important pour les castings dans la mesure où il s'agit d'une liste indexée sur le trafic, c'est-à-dire sur le nombre de visites et de visiteurs. Le besoin de nouveautés chez les consommateurs de porno est tel que la durée moyenne de la carrière d'une actrice X est seulement de 4 à 6 mois. Dans de telles conditions, bien qu'ils refusent d'en parler ouvertement, certains acteurs et actrices augmentent leurs revenus en travaillant comme escorte. Inversement, d'autres développent intentionnellement leur présence dans le porno afin de renforcer leur carrière d'escorte. De fait, de l'intensification de l'exploitation dans l'industrie pornographique, la frontière entre prostitution et pornographie, qui n'avait jamais été bien nette, devient donc des plus poreuses. En dépit de rentrées d'argent si gigantesques qu'elles restent la plupart du temps cachées, aucune enquête journalistique précise, aucune étude économique fiable n'a pu les chiffrer en détail. Les industriels du porno cherchent chaque jour à accroître leurs marges.
Comme pour la quasi-totalité des géants du capitalisme high-tech, les manias du porno ont recours à des montages financiers opaques ou à la domiciliation dans des paradis fiscaux répartis partout dans le monde. Mais cela passe aussi par les délocalisations. Basée surtout aux États-Unis et en Europe occidentale avant les années 90, la production s'est déplacée en partie vers l'Europe de l'Est, voire vers certains pays d'Amérique latine, pour bénéficier d'une main-d'œuvre moins chère, plus flexible et de législations plus laxistes quant aux conditions de travail. Évidemment, Budapest notamment est devenue la capitale du porno low cost, les tournages y coûtent deux fois moins cher qu'en Californie. L'industrie des live cam plus récente suit le même mouvement. Les plus grosses fermes à cam girl du monde. Cette phrase est dingue. Les plus grosses fermes à cam girl du monde se trouvent à deux endroits, Bucarest en Roumanie et Cali en Colombie. Pour une raison simple, le vivier des femmes, à la fois attractives et pauvres, y est infini. Comme le résume sans femme Mark Spiegel, l'un des plus célèbres agents d'actrice X toujours actif aujourd'hui, dans tout commerce, on exploite les gens. Le business n'a pas de cœur et le porno, c'est un business. Le chapitre suivant s'appelle « Fuite en avant » et détaille la dégradation des actes sexuels, l'application du principe de la réduction drastique des coûts en vue de faire le maximum de profit a provoqué dans les années 90-2000 l'apparition d'un nouveau genre de pornographie, le gonzo. Son esthétique volontairement amateuriste et le privilège qu'il accorde au plan très rapproché ne sont en fait que le résultat de la suppression du scénario, des dialogues, des décors et de tout éclairage élaboré, ainsi que de la conversion du réalisateur lui-même en acteur simplement doté d'une caméra légère. Mais comme il faut aussi se distinguer de la concurrence, le gonzo a fait le choix de banaliser le recours à la violence, les actrices étant giflées, frappées, humiliées, étouffées jusqu'au vomissement ou à l'évanouissement, pénétrées de force avec toutes sortes d'objets, selon des pratiques qui confinent au viol. Loin de rester confinée à une niche, cette pornographie de la démolition est devenue la norme. 95% des productions ordinaires relèvent aujourd'hui du gonzo. Ces mauvais traitements, de même que les cadences infernales infligées aux interprètes, ont leur coût. Il y a d'une part les atteintes psychologiques liées à des situations de violence dont la gravité n'avait pas été envisagée par des actrices peu préparées par leurs recruteurs ou n'avait même pas fait l'objet d'un accord, et d'autre part l'épuisement physique, les hématomes, l'irritation, les saignements, la détérioration des organes sexuels. Bien que leur nombre soit l'objet de débats, des cas de reconstruction chirurgicale ont même été relevés et la mort par suicide ou overdose de plusieurs actrices X fin 2017 début 2018 a mis sous les projecteurs les dégradations physiques et morales qui leur sont infligées. Beaucoup de femmes présentes sur ce marché ou qui y ont gardé des intérêts minorent ou relativisent les souffrances liées à l'exercice de leur activité. La raison en est simple, si elles veulent continuer à travailler, elles sont obligées de servir un discours qui ne malmène pas trop leurs employeurs. Mais à lire les témoignages de celles qui s'expriment sous le couvert de l'anonymat, qui ne peuvent retenir leur amertume ou qui ont purement et simplement quitté le porno, on se rend compte que la plupart d'entre elles, pour effectuer les actes qu'on leur demandait d'accomplir et pour tenir dans ce milieu le maximum de temps, se sont engagées dans un processus qui a de nombreux points communs avec le phénomène de dissociation de soi que Kajsa Ekis Ekman a pu repérer chez les prostituées ou les mères porteuses, considérer que certaines parties de son corps, momentanément, ne font plus partie de soi-même, se déconnecter de la situation vécue en pensant à autre chose ou en prenant des drogues, refouler le sentiment de malaise, de dégoût et de honte qui émerge spontanément face à ce que l'on est forcé à faire pour gagner de l'argent. Or, comme le souligne Ekman, ce phénomène de dissociation est une variante particulièrement exacerbée et appliquée aux questions sexuelles de la réification qui touche tous les individus en régime capitaliste. Le chapitre suivant s'appelle « Tout avaler ». Les codes du porno sont aussi ceux du commerce, comme l'indique l'esthétique de ces applications ou celle des tubes. Leur profusion étourdissante d'images, de marchandises rappelle les catalogues, et par là l'utopie de l'abondance et de la liberté de choix qui accompagne l'économie de marché depuis ses débuts. Le porno est la marchandise par excellence. Comme la plupart des produits mis en spectacle dans la publicité et les médias de masse, les vidéos et même les live cams ont en effet pour fonction essentielle d'exhiber les signes du plaisir et de la jouissance, mais un plaisir et une jouissance auxquels le consommateur ne peut participer qu'à distance.
Si son identification affective à ce qu'il regarde peut effectivement lui procurer une forme de satisfaction, celle-ci sera toujours incomplète, parce que cette participation est elle-même incomplète. Mais la frustration qui en résulte relance à son tour le désir, qui se dégrade ainsi peu à peu en besoin aliéné. Ce mécanisme, Debord et les situationnistes l'avaient mis en lumière, comme la dynamique même de la marchandise, devenue spectacle à l'ère du capitalisme surdéveloppé. Mais la marchandise pornographique va encore plus loin. Midas des temps post-modernes, tout ce qu'elle touche se pornifie, et par là se transforme à son tour en marchandise. C'est pourquoi il nous faut en fin de compte réviser notre jugement. Le porno n'est pas une industrie capitaliste parmi d'autres. Il est le capitalisme. Pornophilie. Face au raz-de-marée de la pornification, on aurait pu croire que les sciences sociales, par leur capacité à exercer un regard distancié sur les phénomènes qui affectent la vie collective, offriraient une ressource critique, une sorte de garde-fou. Certes, le porno est désormais au centre de toutes les attentions dans le monde universitaire, puisque des articles savants, des colloques, des revues scientifiques et même un champ académique interdisciplinaire, les porn studies, lui sont dédiés. Et pourtant, de façon paradoxale, il semble que l'approche critique du phénomène décline à mesure que s'accroît le nombre d'analyses publiées. Je saute un passage. Une industrie culturelle comme les autres. Les universitaires qui font montre d'une certaine bienveillance envers le porno se trouvent aussi confrontés à un autre type d'analyse inspirée du marxisme et en particulier des théories de l'école de Francfort qui consiste à mettre en relief les liens étroits qui unissent le porno au capitalisme, c'est-à-dire un système socio-économique qui ne voit dans l'être humain qu'une source de profit. Par le marketing et la publicité, le capitalisme cherche à obtenir du consommateur un comportement prévisible en manipulant ses désirs authentiques pour lui imposer des besoins qui seront conformes aux intérêts des grandes entreprises. Le besoin de boire du coca, de porter des Nike, d'avoir le dernier iPhone, mais aussi d'aller sur Pornhub, X, Hamster, etc. Là aussi, cet angle d'attaque s'est trouvé renforcé depuis les années 2000 par des approches antilibérales, replaçant le porno dans le contexte de la mondialisation des industries du sexe, de l'émergence d'un capitalisme de la séduction et de l'impératif de jouissance propre aux sociétés post-modernes. Le problème, c'est que cette théorie du récepteur actif a tendance à converger avec le discours auto-promotionnel du capitalisme. Et c'est bien ce qui s'est produit dans les années 90 aux États-Unis. La conviction qu'un public est toujours plus intelligent que ceux qui lui prodiguent son divertissement. Il était devenu le leitmotiv aussi bien des cultural studies que de ceux qui célébraient les vertus du marché, économistes, spécialistes en marketing et autres intellectuels néolibéraux. Rien d'étonnant à cela. Le monde des affaires a tout avantage à présenter le marché comme un espace de liberté pour le consommateur et non comme un mécanisme par lequel les entreprises le forcent à avaler tout ce qu'elles produisent. Reste le cas concret des violences liées à l'industrie du porno. Des années 80 à nos jours, nombreux sont ceux qui ont souligné les atteintes physiques et psychologiques infligées aux actrices. De l'exploitation économique la plus brutale jusqu'au viol. À quoi la célèbre Judith Butler répondait dès 2003 que ce problème ne méritait pas que l'on mette en cause l'industrie du porno en elle-même. La solution, disait-elle, dans un argument depuis fréquemment repris, passe par une amélioration des salaires, contrats et protection sociale des actrices. Cela suppose la syndicalisation de ces femmes et donc la reconnaissance de leur statut de travailleuse du sexe, à l'image des prostituées. Or, ce concept implique de facto une position relativiste quant au degré d'exploitation qu'une femme peut subir. Judith Butler affirmait ainsi qu'il s'agisse d'une secrétaire, d'une femme de ménage ou d'une prostituée, chacune expose son corps en première ligne. La situation spécifique de la prostituée ou de l'actrice X se voit ainsi ramenée aux dimensions d'un job comme un autre, en conformité avec la logique abstraite du capitalisme, qui n'évalue que la quantité de temps dépensé pendant un travail. La question de ce qu'on fait pendant cette durée est donc complètement secondaire. Certains chercheurs vont aujourd'hui jusqu'à parler de la pornographie comme d'une industrie créative et d'un business normal.
Florian Vorose n'hésitant pas à déclarer que si l'on veut lutter contre la domination masculine, ce qui est important, c'est de considérer la pornographie comme une industrie culturelle comme une autre. On voit bien comment cette normalisation sert les intérêts des industries du sexe, en légitimant une activité et des situations où ce n'est plus seulement la force de travail, mais le corps lui-même, dans ses parties les plus intimes, qui fait l'objet d'une exploitation économique. En juin 2018, un événement venait concrétiser la convergence objective, sinon subjective, entre le discours d'une grande partie des universitaires spécialistes du porno et les intérêts des protagonistes de cette industrie. À Paris, se tenait en effet un festival intitulé Eros Femina, qui se voulait être un espace de réflexion autour des sexualités féminines, valorisant notamment les processus de libération tels que le féminisme, le post-porn et la culture queer. Y participaient plusieurs des universitaires que nous avons déjà rencontrés ici, comme Florian Vorose et Ludivine Demol, mais comme pouvait le découvrir n'importe quel visiteur un peu curieux, il y avait parmi les partenaires officiels de ce festival une boutique parisienne de lingerie fine de luxe, une entreprise de cosmétiques de plaisir et un sex shop en ligne, classé en 2016 dans le top 3 des professionnels du secteur. Le festival bénéficie en outre d'un cabinet spécialisé dans les études de marché nommé Coda Stratégie. Ici, l'on ne parle plus seulement d'angle mort de la réflexion, d'impensé de la recherche ou d'insuffisance critique. À un moment où l'essor sans précédent des technologies numériques est en passe de faire franchir un nouveau seuil historique à l'expansion de la production pornographique, il est troublant de voir à quel point les intellectuels ont rendu les armes, favorisant du même coup la colonisation d'un espace supplémentaire de notre vie par le capitalisme et la technologie. Le chapitre suivant s'appelle « Torture porn, extrémiser l'extrême » par Michael Faujour. Ce chapitre parle des films d'horreur et de la violence présente dans le divertissement. Voilà, c'est un chapitre intéressant parce que voilà, je n'avais jamais pensé les films d'horreur, je n'avais jamais pensé le divertissement horrifique. Et voilà, ce chapitre donne des pistes de réflexion très intéressantes. Je ne vais pas tout lire, évidemment, mais voilà, je vais vous en lire quelques extraits. Le franchissement de limites morales représentationnelles a souvent été considéré par la gauche progressiste comme porteur d'une charge de rébellion, de refus politique du système, voire comme révolutionnaire. Cette conception ancrée dans diverses avant-gardes de la modernité esthétique, souvent adossée à un imaginaire politique révolutionnaire, continue à prévaloir aujourd'hui alors que le contexte, les mouvements sociaux, les imaginaires et l'organisation politique, ainsi que les rapports de force, n'ont plus rien à voir. Cette conception de la transgression ou subversion est très répandue, qui consiste à travers le modernisme à dénoncer un ordre moral bourgeois. Elle se perpétue encore en particulier au sein de la gauche, dont Jean-Claude Michéa répète que tout en dénonçant le libéralisme économique, elle adhère en fait à l'imaginaire libéral sur les plans politiques et culturels. C'est-à-dire qu'une bonne partie du monde intellectuel, universitaire, critique d'art ou de cinéma, journaliste, n'a pas compris le basculement qui s'opère dans les années 70, qu'explicite à la lumière de son expérience le philosophe Anselm Japp. Le passage du libertaire au libéral explique en effet bien l'expérience de ma génération et les conséquences inattendues des meilleures intentions. Je me souviens de l'époque, j'étais lycéen en Allemagne dans les années 70, où nous, les jeunes d'extrême gauche, les anarchistes, les frics, soucieux surtout de ne pas être bourgeois, nous sentions courageux parce que nous soutenions que chacun n'est mû que par son intérêt personnel et que, en dernière raison, on fait tout par égoïsme, même ce qui se présente comme un acte de générosité. On le fait alors pour sa réputation. Cela nous semble provocateur et progressiste. Nous mettions à nu l'hypocrisie bourgeoise. Les échos qui nous parvenaient du matérialisme historique et de la psychanalyse, encore mal vus de l'idéologie officielle, nous conduisaient à démolir avec une espèce de joie méchante toute l'idéologie bourgeoise de l'altruisme, sans nous laisser apercevoir qu'avec une telle anthropologie pessimiste, il serait assez difficile de construire cette société émancipée qui restait notre horizon politique. Ainsi, nous avons involontairement anticipé sur un stade du développement capitaliste qui était alors encore à venir, le libéralisme pur et dur, libre du tribut hypocrite que ses prédécesseurs payaient encore à la vertu. Le culte que certains vouaient à Sade constituait également une manière de célébrer l'égoïsme le plus total au nom de l'émancipation. Ce passage me rappelle une autre lecture que j'ai faite qui s'appelle « Baisse ton prochain » de Dany Robert Dufour et qui parle d'un auteur qui s'appelle Mandeville.
Alors là, on revient au torture porn et au film d'horreur avec une citation de Jean-François Roger, le critique de cinéma, qui dit « Comment l'extension illimitée des désirs promise par le consumérisme moderne pourrait ne conduire qu'à la mort de l'autre, tel est le vrai sujet d'Hostel ?» C'est le nom d'un film d'horreur. Or, la pensée du marquis de Sade, rendue avec fidélité dans le dernier film de Pier Paolo Pasolini, montre comment l'individualisme absolu conduit à la destruction de l'individu. Lorsque l'assouvissement du désir illimité fait loi, le fort peut disposer du faible pour son plaisir, un plaisir qui inclut le viol, la torture, le meurtre, ce dont ses œuvres témoignent et qu'illustre Salo. Dans une société où aucune morale commune ne peut prévaloir, autre que celle du plaisir et de sa recherche sans frein, au nom de quoi s'opposer à l'assouvissement des désirs pervers, cruels et criminels. C'est ainsi que l'individualisme sadien, dont ce cinéma d'horreur qui se caractérise justement par le sadisme est porteur, a pour implication paradoxale la négation de l'individu. Plus exactement, la négation de l'autre. Autrement dit, cette conception sadienne de l'individualisme, dont le torture porn est la formulation artistique, est une négation de la société de l'homme. Le bout de la course d'une conception solipsiste de l'individualité où la glorification de soi finit par avoir pour revers la destruction d'autrui. Au fond, l'erreur intellectuelle au sujet de la transgression artistique, d'autres parlent de subversion, de rébellion, de production dérangeante, pour nommer plus ou moins le même principe, que n'a toujours pas saisi une partie de la gauche culturelle, tient à ce qu'elle n'a pas perçu l'innocuité des principes de la contre-culture. Dans leur ouvrage capital « Révolte consommée, le mythe de la contre-culture », Joseph Heath et Andrew Potter avancent pourtant qu'il y a maintenant des générations que les rebelles contre-culturels produisent de la musique subversive, de l'art subversif, de la littérature subversive, des vêtements subversifs, tandis que les universités sont bondées de professeurs qui disséminent des idées subversives, tant de subversions, et pourtant le système semble très bien la tolérer. Ça, c'est vrai que ça fout un peu les boules quand même. Or, cet enthousiasme intellectuel de la contre-culture pour la subversion ou la transgression vient de l'abandon du champ de la lutte politique au profit du champ culturel. Le passage donc de l'action collective concertée à l'adoption d'attitudes individualistes, au fond antisociales. Je vais relire ce petit passage parce que je le trouve très intéressant. Il y a maintenant des générations que les rebelles contre-culturels produisent de la musique subversive, de l'art subversif, de la littérature subversive, des vêtements subversifs, tandis que les universités sont bondées de professeurs qui disséminent des idées subversives, tant de subversions, et pourtant le système semble très bien la tolérer. Or, cet enthousiasme intellectuel de la contre-culture pour la subversion ou la transgression vient de l'abandon du champ de la lutte politique au profit du champ culturel. Le passage donc de l'action collective concertée à l'adoption d'attitudes individualistes, au fond antisociales. Pour prendre au mot Julien Bétan, au-delà de la remise en question de ce que nous considérons pour acquis, dans quelle direction ces films feraient-ils évoluer notre morale? Les propos de David Edelstein y apportent une réponse moins optimiste. Certains de ces films sont si vicieusement nihilistes que le seul objectif semble être de vous forcer à suspendre complètement tout jugement moral. Il énonce là ce que recouvre peut-être le préjugé favorable à la transgression. Un impensé, dans la philosophie du marquis de Sade, formule l'essence et ses conséquences extrêmes, de sorte qu'on se demande si en fait de se dépouiller d'une certaine morale assimilée à un outil d'oppression, il ne s'agirait pas plutôt de se dépouiller de la morale, c'est-à-dire de n'importe quel cadre moral. Le livre de Joseph Heath et Andrew Potter montre comment la conception contre-culturelle de la rébellion consiste moins à transformer les règles, repères, cadres, qu'à les abolir tout à fait, au nom de ce qu'il serait par essence répressif et liberticide. La croyance dans une vertu intrinsèquement positive d'une œuvre transgressive relève d'une sorte de foi de la culture, de pensée magique. Étant acquise comme une évidence, elle conduit souvent à des critiques de cinéma ou des réalisateurs à traiter du discours sous-jacent dont le film serait la métaphore, sans adopter un positionnement moral, comme en voulant maintenir l'illusion d'une neutralité. Hostel, analyse ainsi le critique Jean-François Roger, enthousiasmé par le film, est en effet une fable dans laquelle d'assez antipathiques personnages, guidés par la satisfaction illimitée de leurs désirs et la suppression de toute entrave à ceux-ci, se trouvent confrontés à de plus féroces prédateurs qu'eux-mêmes, jusqu'à quel point l'accomplissement des désirs de chacun, et le tourisme en supprimant les distances n'y contribue-t-il pas, peut-il s'identifier avec le désir de la mise à mort de l'autre, s'interroge-t-il. Pour les réalisateurs de A Serbian Film,
Leur film, l'un des plus extrémistes du torture porn, dénonce le fascisme du politiquement correct. Celui-ci raconte l'histoire d'un ancien acteur porno qui, ayant accepté de reprendre du service pour un nouveau genre de film d'art, se voit drogué et embarqué sous l'effet d'une manipulation mentale, dans une folie meurtrière et sexuelle, culminant dans la scène où, aux côtés de son frère masqué qu'il n'a pas reconnu, il viole son propre fils de 6 ans. Nécrophilie, viol, pédophilie, viol d'un enfant et d'un nouveau-né, et barbarie diverse. L'équipe du film a prétendu qu'il fallait voir dans la succession de scènes cruelles du film une métaphore de la violence politique et sociale présente et un retour du refoulé des guerres balkaniques ou de tels actes. Urbel est bien un lieu. Pour son réalisateur, A Serbian Film serait une tentative de montrer comment nous ressentons le fait de vivre dans le monde contemporain, une métaphore géante, horrible, des choses qui nous arrivent. L'approche critique, consistant à discourir sur la métaphore supposée ou avérée dont l'œuvre serait porteuse, rappelle un mode interprétatif banalisé par la critique d'art contemporain qui consiste à rendre compte des intentions, davantage qu'à émettre un jugement esthétique et moral autour de la mise en forme de celle-ci. L'œuvre s'effacerait alors derrière le discours qui l'entoure. La transgression s'y présente dans le monde de l'art contemporain, qu'il s'expose dans des musées publics ou des fondations privées d'oligarques, offre d'ailleurs une illustration de ce que transgression signifie et qui s'applique tout autant à ce type de cinéma extrémiste dont les arguments d'affirmation sont les mêmes. Si l'art transgressif se veut un outil contre le système d'après ses défenseurs, de quel système s'agit-il? Car si ce qui fait système n'est pas le capitalisme mondialisé, néolibéralisme, alors qu'est le système? Au fond, dans le cinéma d'horreur extrême, non seulement il ne s'agit pas de dénoncer le système néolibéral, mais le perpétuel franchissement des limites applique seulement à ce champ ce qui est la dynamique même du système culturel et économique qui domine le monde, le capitalisme néolibéral. Chapitre suivant. Logique d'entraînement et normalisation de l'extrême. Citant le philosophe précurseur de la décroissance Ivan Illich, il prend acte de ce que la faculté de jouir des plaisirs simples et des stimulants faibles décroît. Il faut des stimulants de plus en plus puissants aux gens qui vivent dans une société anesthésiée pour avoir l'impression qu'ils sont vivants. Ces analyses rejoignent les constats du philosophe Michel Lacroix dans Le culte de l'émotion. Il y décrit un homo sentiens, pour qui l'existence vraiment humaine n'est pas celle qui nous élève à l'intellectualité, mais celle qui ramène à la sensorialité, à la primitivité des sens. Plongez-vous dans l'infra-intellectuel. Votre vie sera mieux employée si vous vous appliquez à sentir plutôt qu'à penser. Or, la grammaire du gore inclut aussi un montage épileptique, un rythme qui maintient l'attention, même dans des moments ralentis propres au suspense, qui alterne avec l'explicite, ne laisse aucune place au hors-champ, c'est-à-dire à l'imagination ou à la pensée. Le culte de l'émotion, avance Michel Lacroix, est la manifestation ultime de l'individualisme. Il représente l'apogée du culte du moi. Pour l'homme contemporain, tout projet d'épanouissement passe désormais par l'actualisation de son potentiel émotionnel. Il en va d'un changement anthropologique marqué par le glissement d'un refoulement de l'émotion au profit de la raison à un encouragement à faire de l'expérience des émotions, à une recherche des sensations et des émotions. À la lueur de cette nouvelle économie psychique qu'il observe, Michel Lacroix interroge l'usage récurrent du terme « catharsis », un terme souvent employé au sujet des productions du « torture porn ». Dans la poétique, Aristote emploie ce concept au sujet du théâtre. La catharsis est la purgation des passions du spectateur qui lui permet de retourner à la vie civique en être de raison. Cette purgation doit s'entendre dans un sens médical, il s'agit de purger un mal, une menace. Or, il s'agit de tout l'inverse de nos jours, où le mot « catharsis » change de sens, car contrairement aux anciens, nos contemporains ne considèrent plus l'émotion comme un poison, mais comme une richesse. Pour l'homme actuel, le besoin de sentir ses émotions l'emporte sur la nécessité de les réfréner. Le culte de l'émotion fait donc triompher une nouvelle conception de la catharsis qui se résume dans l'axiome suivant. Le but n'est pas de se libérer de l'émotion, mais de la libérer. Au total, même selon une conception limitée ou distordue de ce que catharsis signifiait chez Aristote, il y a surtout à se demander en quoi le spectacle, aussi réaliste soit la fiction de personnes torturées, humiliées, serait une libération des passions. Qui peut sincèrement croire
que la majorité des spectateurs seraient travaillés intérieurement par une haine si féroce d'autrui qu'elle se repaisse ou s'apaise en regardant des personnes gémir ou supplier sous la menace d'une perceuse, d'une tronçonneuse ou subissant la découpe au scalpel ou la trépanation. Enfermés le plus souvent dans la grille interprétative de la contre-culture, dans celle des théories post-modernes ou dans l'approche critique moralement distanciée, les défenseurs de ces productions ne réalisent pas l'invalidité de leur analyse et se contentent de renvoyer les dénonciateurs de ce type de production dans le camp du conservatisme. Or, il ne s'agit pas de cela, car le problème ne tient pas au fond. La mise en évidence du renversement toujours possible de la victime en bourreau, du héros en salaud, la confusion qui peut exister entre bien et mal, c'est-à-dire des repères fluctuants, ce n'est pas même le tabou de la mort, l'abomination de la psyché et des actes d'un tueur en série ou les paraphilies. Car pour chacun de ces thèmes, nous pourrions citer un chef-d'œuvre, non dépourvu de caractéristiques dérangeantes, mais qui fournissent de la matière à réflexion, sans écraser par l'abjection ou un excès qui cesse d'être un moyen ou un effet de narration, mais deviennent une fin délibérément recherchée. C'est que fondamentalement, ces œuvres, suranalysées, surinvesties de sens, avant même d'être immorales, sont souvent mauvaises. Hormis quelques rares scénarios, la plupart recourent aux mêmes vieilles ficelles en s'enfonçant seulement plus avant dans le sordide et la cruauté. À ce petit jeu, le réel dépasse d'ailleurs la fiction, sans qu'il existe nécessairement de lien d'influence. Avec les films de torture et d'exécution de Daesh, où le plaisir de tuer et l'assassinat n'ont rien de fictif, ou des cartels mexicains, les clips de Daesh clament le triomphe du cinéma numérique, analyse Jean-Louis Comolli. Et que ce soit des films regorgeant de violences cruelles qui désormais courent le monde, ne doit pas suffire à nous indigner, mais doit nous faire voir à quel niveau d'indignité, collectivement, nous sommes parvenus. L'extrémisation du cinéma d'horreur, cette recherche effrénée de l'outrance, de l'abjection, du réalisme torsionnaire, entraîne une normalisation, nécessairement relative, car l'ancrage moral d'une majorité de spectateurs se refusera à cautionner de telles œuvres, ce dont la censure d'associations de parents ou d'institutions a été la traduction. Cette dynamique rappelle l'observation de Victor Klemperer qui, dans les années 30, analysait les causes de la montée du nazisme et postulait notamment que l'exagération permanente appelle un renforcement croissant de l'exagération et l'émoussement de la sensibilité. Le scepticisme et, pour finir, l'incrédulité ne peuvent manquer d'en découler. Je vous lis la fin du chapitre. La conclusion. L'enjeu de réhabiliter une critique réellement critique qui ne craindrait pas d'être dénoncée comme conservatrice ou réactionnaire est un enjeu démocratique. Le moteur même de la démocratie résidant dans la confrontation et la mise en tension d'opinions, de jugements, d'idéologies, d'éthique. Ainsi, lorsque Julien Bétan conclut son essai en affirmant qu'en refusant de dépasser les limites, nous nous condamnons à ne jamais les voir reculer, on pourrait lui répondre que nous nous condamnons surtout à n'avoir plus de repères, de normes, donc de moyens de penser le monde, se situer, se reconnaître et s'assigner des limites individuelles et collectives, ce qui, entre autres choses, distingue les psychopathes et sociopathes, héros du cinéma d'horreur, de l'être sociable. Le consumérisme. Le consumérisme comme culture. En cette période de confinement où la marchandise s'est arrêtée, c'est un passage qui est vraiment très intéressant parce qu'il montre finalement de quel bois on est fait
Et je trouve que avec l'arrêt de la consommation, justement, on voit à quel point la consommation est notre culture. Le consumérisme comme culture par Cédric Biagini. Selon le sociologue Zygmunt Bauman, sur lequel nous allons nous appuyer, nous serions passés d'une société de producteurs à une société de consommateurs. Bien évidemment, les individus peuvent toujours, dans leur grande majorité, être considérés comme des producteurs, car le travail est loin d'avoir disparu. Mais ce n'est plus qu'à titre secondaire que la société les engage en tant que telle. Elle les interpelle désormais avant tout en leur qualité de consommateurs. C'est l'activité de consommation, et non de production, qui fournit l'interface essentielle entre les individus et la société. C'est la capacité à consommer qui définit le statut social, la place que l'on gagne ou que l'on obtient sur l'axe de l'excellence-incompétence en matière de performance consumériste, se change en principal facteur de stratification et principal critère d'inclusion et d'exclusion. En outre, elle oriente la distribution de l'estime sociale et des stigmates sociaux, tout en prenant part à l'attention publique. Nous pouvons établir un lien direct entre le consumérisme et le succès du temps réel propre aux nouvelles technologies. Bauman écrit à ce sujet. Pour réduire la durée, le mieux est d'empêcher les consommateurs de consacrer trop d'attention à un même objet, de le désirer trop longtemps. Il faut qu'ils soient impatients, impétueux et irritables, qu'on puisse facilement éveiller leurs désirs et leur faire perdre rapidement leur intérêt pour un objet déterminé. On assiste alors à une inversion du rapport traditionnel entre les besoins et leur satisfaction. La promesse et l'espoir de la satisfaction précèdent maintenant le besoin à satisfaire et seront toujours plus forts et plus attirants que les besoins réels. En effet, non seulement le monde numérique repose sur l'immédiateté, mais il constitue aussi un écosystème de technologies d'interruption, un espace qui sursollicite l'utilisateur. Ce dernier est plongé dans un état d'excitation permanent, toujours instable, l'esprit constamment distrait face à son écran. Dans sa vie, de plus en plus connectée, il reçoit sans cesse des notifications, par mail, par SMS, sur les réseaux sociaux, qui lui procurent des sensations modifiant jusqu'à sa manière d'être au monde. Il devient impatient, irritable, attend fébrilement la prochaine sollicitation, s'agite en tous sens, et n'arrive plus ni à se concentrer sur un seul objet, ni à prendre du temps. Il est le prototype de l'individu éclaté, vivant dans un tumulte permanent, inapte à toute pensée méditative, ouvert à tout, mais incapable de se fixer sur rien. Perpétuellement insatisfait et totalement dépendant des pulsions que le marché entretient. Son existence lui paraît plus intense. Mais il n'a plus d'instants à lui durant lesquels il pourrait développer une vie intérieure, un temps nécessaire à la construction de soi, à l'épanouissement et à la possibilité même de savoir vivre avec les autres. Les consommateurs ne doivent surtout pas se reposer, mais être constamment éveillés sur le qui-vive, en permanence exposés à de nouvelles tentations, dans un état d'excitation permanent, maintenu dans un état de suspicion perpétuelle et de désaffection sans cesse renouvelée. Cette culture consumériste rejette tout apprentissage, érudition et accumulation, et rend immédiatement accessible, notamment en ayant recours aux nouvelles technologies, une profusion de biens, et surtout d'informations et de données, aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Elle est une culture du désengagement, de la discontinuité et de l'oubli. Peu perçue par ceux qui restent sur d'anciennes grilles d'analyse, une autre caractéristique distingue cette société consumériste des précédentes. Le brouillage, voire de plus en plus l'effacement complet, des distinctions entre marchandises et consommateurs, choses à choisir et acteurs du choix. Pour être membre à part entière de cette société, les individus doivent eux aussi devenir des marchandises commercialisables, capables d'exister sur un marché. Il y a à la fois une commercialisation des modes de vie et des modes de vie uniquement tendus vers le commerce. Ce concept de kit identitaire développé par le sociologue Horvath Lofgren apparaît comme l'expression idéale pour qualifier cette dynamique à l'œuvre. Selon lui, à partir du XIXe siècle, les nations se sont constituées en tant qu'entité fondée sur une culture, bien que le sentiment national précède la notion relativement récente d'identité. Anne-Marie Thiès, qui travaille elle aussi sur ces questions, résume bien son approche. Le résultat de fabrication collective des identités nationales n'est pas un moule unique, mais bien plutôt, selon l'expression provocatrice du sociologue Horvath Lofgren, une sorte de kit en « do it yourself », une série de déclinaisons de l'âme nationale et un ensemble de procédures nécessaires à leur élaboration.
On sait bien aujourd'hui établir la liste des éléments symboliques et matériels que doit présenter une nation digne de ce nom. Une histoire établissant la continuité avec les grands ancêtres, une série de héros parangons des vertus nationales, une langue, des monuments culturels, un folklore, des hauts lieux et un paysage typique, une mentalité particulière, des représentations officielles, hymnes et drapeaux, et des identifications pittoresques, costumes, spécialités culinaires ou animaux emblématiques. Les nations qui ont accédé récemment à la reconnaissance politique et surtout celles qui en sont encore à la revendiquer, témoignent bien par les signes qu'elles prodiguent pour attester leur existence du caractère prescriptif de cette checklist identitaire. Le système IKEA de construction des identités nationales qui permet des montages tous différents à partir des mêmes catégories élémentaires appartient maintenant au domaine public mondial. L'Europe l'a exporté en même temps qu'elle imposait à ses anciennes colonies son mode d'organisation politique. Autre exemple. Un sujet se considérant vegan l'est avant tout car il consomme vegan. Il fait ses courses dans des magasins dédiés, consulte des ouvrages ou des sites internet spécialisés, fréquente des salons sur le thème où il retrouve les personnes pensant comme lui. Néanmoins, ses identités tenant à l'identification consommatrice sont suffisamment lâches et mobiles pour que chacun les reconfigure à sa manière dans une sorte de bricolage identitaire. Mobile car c'est bien le marché et les modes qui l'accompagnent qui impulsent ces changements permanents. Ce que l'on pourrait qualifier de consumérisme identificatoire se caractérise donc par la mise en marché de kits identitaires que les sujets mobilisent au gré de leur consommation et velléité identificatrice, réalisant ce qu'un sociologue assermenté nommerait individu pluriel. Chapitre suivant. La quête effrénée de l'authentique. Cette nouvelle manière d'être au monde est issue de la victoire écrasante du marché sur tout ce qui l'a précédé. Le projet même du marché repose sur le principe fondateur d'individus rationnels, dont la rationalité est à entendre ici comme un intérêt bien compris. En d'autres termes, la société de marché repose sur l'hypothèse que chaque individu est égoïste, calcule constamment ses coûts et ses avantages avant chaque action, et que la somme de ses intérêts individuels mène au bonheur, c'est-à-dire la croissance, et au plein développement de chacun. Mais on voit bien qu'une structure socio-économique ainsi fondée ne repose en définitive que sur le pari d'un nombrilisme individualiste généralisé, et donc souhaité, tout autant qu'il sera cultivé. En conséquence, Dany Robert Dufour dépeint à raison notre temps comme une époque tournée tout entière vers la prévalence des récits de l'ego. Il n'y a plus que le soi qui prévale, puisque c'est son expression véritable sur le marché qui en assure le plein fonctionnement. L'identité néolibérale, flexible car adaptée au monde mis en réseau, se veut modifiable à l'envi. Elle fait fi de toute tradition, enracinement et héritage, qu'elle considère comme autant de rigidités à éliminer ou à intégrer dans des formes allégées à la sphère marchande. C'est la seule manière d'être autorisée par le marché, puisqu'elle est la condition de la fluidité de son fonctionnement. En effet, le capitalisme repose sur une dynamique d'innovation et de changement perpétuel. Sa critique même participe de ce mouvement, comme l'ont brillamment montré les sociologues Luc Boltanski et Eve Schiapello. Dans le nouvel esprit du capitalisme, il démontre comment il a su s'adapter aux deux principales critiques qui lui étaient faites, la critique artiste et la critique sociale. De l'intégration de ces critiques découle le consumérisme identificatoire. Cela vaut donc la peine de les décrire. Née du mode de vie bohème du XIXe siècle, la critique artiste du capitalisme valorise la mobilité et le détachement de l'artiste, dénonçant alors la marchandisation du monde inhérente au capitalisme qui produit le désenchantement, l'inauthenticité et la disparition de toute autonomie de l'individu, baigné dans l'incertitude et la standardisation marchande. La critique sociale, quant à elle, tire ses racines du marxisme et considère le capitalisme comme source d'opportunisme, d'égoïsme et d'inégalité. Le succès récent du handmade, fait main, et le retour du petit artisanat dans les métropoles mondialisées. Ce phénomène obéit à cette même logique de quête de l'authentique, tout autant que le succès incroyablement cynique des produits estampillés bio ou durables. Les nouveaux géants de l'informatique que sont les GAFA ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Amazon a lancé en 2016 un marché virtuel exclusivement réservé aux artisans, sobrement nommé Amazon Handmade. Ce nouveau bijou de disruption compte à terme monopoliser le marché du fait main, et ce dans toute l'Europe.
Quand on sait qu'un article a été fait main et qu'il a une histoire qui lui est propre, cela confère une aura toute particulière et renforce encore plus le plaisir d'en faire l'acquisition, confirme Patrick Labarre dans un article du journal en ligne LSA. Directeur de la Marketplace d'Amazon France, cet argousin du e-commerce a bien saisi l'enjeu. Désormais, le néolibéralisme s'attaque aux modes de production traditionnels, dont l'aura repose sur l'authenticité que le e-consommateur s'approprie en quelques clics. À la clé, jusqu'à plusieurs milliards d'euros de bénéfices. C'est à ce prix que notre cher Bobo n'aura plus besoin de sortir de chez lui pour faire l'acquisition de magnifiques pulls tricotés main. Le trait le plus fascinant de ce nouvel esprit du capitalisme est ainsi la propension qu'ont les individus à rechercher frénétiquement des moyens de se distinguer par un consumérisme de l'authentique. C'est là que réside une contradiction tout à fait révélatrice. Et considéré comme authentique, un bien qui échappait jusqu'alors aux griffes du marché. Dès lors qu'un produit, que ce soit une idée, une manière de faire ou de produire, un bien qui autrefois se tenait hors de la sphère marchande et récupéré et investi par le marché, il perd nécessairement sa qualité première, celle précisément recherchée par les sujets en quête d'authenticité. C'est évidemment le sort qu'a rapidement connu le fameux tourisme dit d'aventure. Je saute le chapitre suivant, qui s'appelle « La contre-culture comme matrice ». Arrêtons-nous un instant sur la figure désormais bien connue du touriste de gauche, se revendiquant éco-responsable, voyageant aux quatre coins du monde pour nourrir son compte Instagram ou son profil Facebook. Il participe tout autant que les cohortes massifiées du tourisme traditionnel de la saturation des rues, des nuisances environnementales ou des phénomènes d'inflation immobilière dans les métropoles touristiques. C'est pourtant en réponse à ces évidentes nuisances, mêlées à cette quête désormais bien comprise d'authenticité, qu'on fleurit de par le monde force label solidaire, responsable, éthique ou pire, durable. Très proche des modalités aventurières de l'industrie du tourisme, la présence de ces labels vise à rassurer le consommateur. Pourtant, derrière les effets d'annonce, un certain nombre de conséquences, d'une logique pourtant élémentaire, remettent sérieusement en cause la prétendue durabilité de ces niches d'une industrie florissante. Les émissions de CO2 commencent dès le voyage en avion, cela va sans dire. Mais le socialiste français, ami des bêtes et écolo revendiqué, ne s'arrêtera pas là. Quid des émissions produites par le 4x4 du safari fut-il responsable ? Quid de la déforestation bien aidée par la construction en série d'écologes, dont le principal atout est que construits en bois, ils offrent un surcroît d'authenticité pour le consommateur ? L'enfer du consumérisme est pavé de bonnes intentions de la croissance pour tous. Nouvelle ersatz de la colonisation occidentale, ses ravages sont déjà bien visibles. Je vais vous lire deux derniers passages de ce chapitre qui me paraît vraiment essentiel aujourd'hui. Il semble nécessaire d'insister sur ce phénomène de consommation ou d'authenticité qui a pour corrélat nécessaire une forme de consumérisme de la critique. L'exemple le plus flagrant et caricatural est justement celui des États-Unis, où à peu près tous les éléments récents et reconnus de la culture de ce pays, que ce soit l'art contemporain, le rap ou les productions cinématographiques, sont fondés sur une critique de celui-ci. Si l'art de la satire n'est pas nouveau, la critique semble désormais un produit comme un autre et qui a beaucoup de succès. Aujourd'hui, il apparaît que les groupes les plus prompts à revendiquer leur mode de consommation sont ceux qui, ce faisant, pensent défendre et mettre en acte une certaine forme de critique à l'égard de la société de marché, du capitalisme et donc de la consommation érigée en principe anthropologique. C'est sur ce versant-là du phénomène que j'aimerais insister, car il enlise tout individu se définissant comme critique du système actuel dans une aporie, une profonde contradiction logique. Cette aporie, c'est celle d'une critique érigée en mode de vie, fonctionnant sur les mêmes principes que toute autre consommation identificatoire, c'est-à-dire sur les ressorts de l'individualisme consumériste. Là, eh bien, je le crois, l'une des forces du néolibéralisme. Vous êtes en colère, vous voulez affirmer votre haine du système, eh bien, consommez des produits estampillés alternatifs, anti-système, mais dans le système. Et que cela soit l'horizon indépassable de votre praxis militante. C'est sur cette aporie que reposent les marchés dits alternatifs, qui vont de pair avec l'idée absurde que les changements de consommation et les petits gestes du quotidien peuvent changer quoi que ce soit aux forces telluriques du système néolibéral. J'aime beaucoup ce passage parce que forcément je me reconnais un petit peu dedans avec mes spectacles anticapitalistes. Et je vais vous lire
la conclusion de ce chapitre. La marchandisation de l'alternatif et de l'authentique, réifiant tout autant les idées que les biens matériels, est par là l'un des plus grands obstacles au développement d'une pensée et d'une manière d'être au monde vraiment radicale, comprendre, qui affronte les problèmes à leurs racines. Les effets de prestige concomitants à la constitution d'une identité authentique ont tendance à désamorcer toute critique en profondeur et à mettre au pas toute velléité d'autonomie. Il semble nécessaire de rappeler ici à toute fin utile qu'une attaque vraiment subversive ne peut éclipser l'aliénation et la chimère d'une construction autonome de soi dans le cadre du consumérisme marchand. Cela fait écho à cette phrase de Théodore Adorno, plus actuelle que jamais. L'industrie culturelle, il est vrai, tient sans conteste compte de l'état de conscience et d'inconscience des millions de personnes auxquelles elle s'adresse. Mais les masses ne sont pas alors le facteur premier, mais un élément secondaire, un élément de calcul, accessoire de la machinerie. Le consommateur n'est pas roi, comme l'industrie culturelle le voudrait. Il n'est pas le sujet de celle-ci, mais son objet. Il y a à la fois une commercialisation des modes de vie et des modes de vie uniquement tendus vers le commerce. Dans ce contexte de consumérisme décomplexé, les individus se dissolvent désormais dans l'océan des marchandises. Les sites de rencontres en sont une des illustrations les plus glaçantes. L'amour et le sexe comme divertissement. Pasolini, dès les années 70, avait décrit cette évolution avec une grande lucidité. Aujourd'hui, la liberté sexuelle de la majorité est en réalité une convention, une obligation, un devoir social, une anxiété sociale, une caractéristique inévitable de la qualité de vie du consommateur. La facilité à créer l'obsession. Parce qu'il s'agit d'une obsession induite et imposée, qui dérive du fait que la tolérance du pouvoir concerne uniquement l'exigence sexuelle exprimée par le conformisme de la majorité. Qu'est-ce que j'aime Pasolini ? Cette injonction à jouir de toute chose, et particulièrement des autres, considérés comme de simples objets de consommation, à faire de la sexualité un loisir à part entière, une activité divertissante parmi d'autres, voire une condition de bien-être et de développement personnel à laquelle il faut s'adonner frénétiquement pour rester dans la norme, constitue un élément clé du capitalisme avancé. La particularité du marché des sites de rencontres est que l'utilisateur y cherche une marchandise dont il va évaluer la qualité à partir de critères et de photos et que lui-même se présente comme tel. Il est à la fois le consommateur et le produit. Il y a donc une auto-réification généralisée, car chacun se pense comme un objet valorisable sur un marché. Pour avoir le maximum de chances d'atteindre ses objectifs, il faut se rendre désirable, dans un contexte des plus concurrentiels. Tout le monde tente de se vendre le mieux possible, dans un monde régi uniquement par la loi de l'offre et de la demande. Et pour cela, il faut se montrer réactif, flexible, motivé et prêt à se plier aux exigences du moment et au formatage des objets de désir. Eva Illouz explique ce phénomène. Les sites de rencontres ont introduit dans le domaine de la rencontre amoureuse les principes fondamentaux de la consommation de masse, l'abondance, la liberté de choix, l'efficacité, la rationalisation, le ciblage sélectif et la standardisation. Même s'il y a des variations d'un site à un autre, la procédure de mise sur le marché reste sensiblement la même. L'utilisateur remplit une fiche produit, son profil, dans lequel il se décrit et précise quel type de relation il cherche et à quels critères doivent répondre les personnes susceptibles de l'intéresser. Les règles élémentaires de la vie en société, tout du moins celles en vigueur jusqu'il y a peu, ne s'appliquent pas dans cet univers. Respect de l'autre, réciprocité, politesse, sens de la parole donnée n'ont plus de sens quand vous pouvez rencontrer un inconnu en une heure, faire l'amour avec lui dans la demi-heure qui suit et les conduire brutalement d'un sec « désolé, vous ne me plaisez pas ». On peut sans prévenir ne pas se rendre à un rendez-vous pourtant programmé, avoir des relations multiples sans avertir le ou la partenaire qui se croit unique, blacklister quelqu'un que vous jugez inopportun. C'est un monde où le lien social est sans cesse mis à mal et où tout est permis. Les conventions sociales, les cadres primaires qui déterminent les comportements à adopter pour qu'un espace de respect et de confiance mutuelle existe, ont éclaté. On peut aussi faire des confidences à quelqu'un, lui signifier que l'on fantasme sur lui et brutalement rompre tout contact sans justification parce que la lassitude sera venue ou quand une remarque, une requête ou l'irruption d'un nouvel ami auront déclassé cet inconnu qui fut intime mais soudain encombrant et à vrai dire inutile. Un utilisateur de 27 ans se désole. Les échanges que tu peux avoir sur le site n'ont aucune valeur. C'est pourtant ce qui fait l'attrait quasi magique d'Internet et des réseaux sociaux.
on peut se connecter à un autre utilisateur et se déconnecter avec une facilité déconcertante, sans que cela porte à conséquence, contrairement aux relations traditionnelles qui impliquent un certain engagement. Ils réduisent la part d'incertitude, de confusion, de lenteur et de risque inhérente à toute relation humaine. Cette tendance s'inscrit parfaitement dans la volonté de neutraliser le monde, de dominer la réalité tout en essayant de s'y confronter le moins possible, de participer en prenant le moins de risques, qui caractérise le recours systématique aux technologies. D'ailleurs, dans le cas des sites de rencontres, peu importe que l'on blackliste, pose un lapin, jette, swipe, même si l'on est soi-même victime de ces comportements, car l'autre se trouve à distance et ne constitue pas vraiment une personne réelle, c'est juste un profil. D'autant plus facile à désinvestir qu'un réservoir infini de conquêtes potentielles ou de partenaires idéaux reste à disposition. Chapitre suivant. S'emparer du sommeil. Rien dans nos vies ne doit échapper à la logique marchande, rationnelle et technicienne, y compris ce qui, avec l'amour et la sexualité, semblait pourtant difficile à asservir, notre sommeil. Alors que la plupart des besoins humains ont été marchandisés et technicisés, comment imaginer que le sommeil, qui occupe près d'un tiers de nos vies, ne fasse pas l'objet d'attaques afin de le rentabiliser, de le rationaliser, de le contrôler, ou tout bonnement de le réduire, voire, si la science le permet un jour, de le faire disparaître. Sur ces deux derniers points, quelques chiffres et une expérience nous éclairent. L'étude de 2014 de l'Institut national du sommeil et de la vigilance montre que les Français dorment en moyenne 6h55 par nuit en semaine et 8h02 le week-end. Seuls 3% d'entre eux dorment plus de 9 heures en semaine, ce qui était pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la norme il y a un siècle. Cette érosion du sommeil s'est accélérée tout au long du XXe siècle, puisqu'il y a 50 ans, nous dormions 1h30 de plus en moyenne qu'aujourd'hui. Elle pourrait même aller à son terme, tout du moins pour certaines périodes de la vie, si les expériences du département de la défense américain aboutissaient. En décortiquant le fonctionnement d'une espèce d'oiseau, le bruant à gorge blanche, capable de rester éveillé jusqu'à 7 jours en période de migration, des chercheurs, à grands coups de millions, espèrent être en mesure de créer un super combattant pouvant se passer de sommeil et être opérationnel 24 heures sur 24. Bien entendu, ce progrès pourra ensuite profiter aux petits soldats de l'économie, puis à l'ensemble de l'humanité. En effet, le système capitaliste a besoin de troupes mobilisées en permanence, toujours sur le pied de guerre, en capacité de travailler, d'acheter, de consommer, de se divertir et surtout de communiquer à toute heure. Des humains-machines, aptes à rester dans les flux ininterrompus de l'hypermodernité technicienne. Dans son livre au sous-titre éloquent « Le capitalisme à l'assaut du sommeil », Jonathan Crary a trouvé cette belle formule « impératif 24/7 » pour décrire ce nouvel environnement qui se caractérise par une inscription généralisée de la vie humaine dans une durée sans pause, définie par un principe de fonctionnement continu, un temps qui ne passe plus, un temps hors cadran. Dans un tel monde où l'individu, pour exister, doit rester perpétuellement connecté, en interaction permanente via des médiations numériques, dans un état de communication ininterrompu nourri par un sentiment d'insatisfaction et de frustration, dormir devient de plus en plus insupportable. Un rapport du même institut confirme ce lien entre troubles du sommeil et dépendance aux nouvelles technologies. Il signale aussi que les personnes qui émettent et reçoivent moins de 10 mails par jour sont moins sujettes aux troubles du sommeil. J'ai de la chance, je fais partie des gens qui reçoivent moins de 10 mails par jour. Les premiers touchés par ce déficit de sommeil, aux conséquences lourdes pour le psychisme et pour la vie sociale, sont les principales victimes des industries numériques, les adolescents. À tel point que cette question est considérée comme un problème de santé publique, sujet abordé comme il se doit dans un monde incapable de formuler une critique radicale de ce qui le ravage, essentiellement pour dénoncer ce que l'on nomme pudiquement des excès. Pourtant, c'est bien tout l'environnement numérique qui, par essence, plonge le cerveau dans un état d'excitation, de distraction, d'éparpillement et le sursollicite. Il faut donc replacer ces troubles du sommeil dans le cadre plus large de la destruction de la concentration, de l'attention, de nos capacités à contempler et à pouvoir nous mettre en retrait des tumultes d'un monde de plus en plus agité dans lequel les comportements frénétiques sont devenus la norme. Le consumérisme identificatoire, kit identitaire et marchandisation de l'authentique par Thomas Rouvier.
Dis-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es. La propension à consommer est le principal rapport qu'entretient le sujet libéral avec le monde. Beaucoup ont déjà écrit sur cette extension du domaine d'influence de la rationalité marchande, notamment que celle-ci réduirait tout ce qu'elle accueille dans sa sphère sous un même dénominateur commun, une même exigence de calculabilité nécessaire aux échanges marchands. Le développement de ce que Karl Polanyi nomme société du marché est rendu possible par un certain nombre de suppositions, comme la redoutable et persistante croyance dans le libre choix d'un consommateur rationnel. En résulte aujourd'hui un phénomène bien particulier. Les individus prétendent se construire et se définir à partir de leur seule consommation. Cette tendance mène à l'appropriation de contenus culturels et identificatoires mis en marché. Cela, souvent lié à un « lifestyle », entendu par la mode de vie, assimile un certain jeu de produits à un certain jeu de langage, qui illustrerait, par l'acte de consommer, une certaine manière d'être au monde. Tenons-nous-en pour l'instant à l'alimentation. Les working boys and girls se font livrer sushis et autres plats chics du monde entier. L'idéologie qui est lue ici est à la fois la recherche d'efficacité autant que l'approbation sans réserve d'un mondialisme qui met l'exotisme à portée de main. On peut également dénombrer les lifestyles bio, vegan, qui doivent exprimer la conscientisation des consommateurs, ou leur contrepartie, junk food, manger kebab ou McDo est devenu un marqueur identitaire très affirmé au sein de certaines populations. Mais voilà que semble émerger une généralisation du phénomène. La consommation serait aujourd'hui le mode d'expression et de définition de soi privilégié, même le principal mode de définition de chaque individu. La société de consommation n'épargne personne et unifie toutes les dimensions de l'existence dans une même rationalité marchande. Ainsi en va-t-il des biens, des produits, mais également des idées ou des modes de vie, des traditions ou des manières de faire. Le branding n'est donc qu'une variation du processus de réification, dans lequel la rationalité marchande réduit chaque produit à des signes auxquels le consommateur prétend s'identifier par l'acte marchand. Ainsi, le sujet néolibéral, prétendument libre de ses choix, peut se construire une identité, s'individualiser par l'appropriation de contenus identitaires mis en marché. Il aura tout le loisir de se définir à partir de ce qu'il consomme. Les industries culturelles, notamment, lui proposent toute une série de kits identitaires. Ce concept de kit identitaire, développé par le sociologue Orvar Lofgren, apparaît comme l'expression idéale pour qualifier cette dynamique à l'œuvre. Merci beaucoup d'avoir écouté ces quelques lectures du livre « Divertir pour dominer 2 » dirigé par Cédric Biagini et Patrick Marcolini. Retrouvez le livre aux éditions L'Échappée. Merci d'écouter Floraison, le podcast pour une culture de résistance écologiste, féministe et antiraciste. Partagez ce podcast s'il vous a plu. Vive la liberté et vive l'anarchie. Floraison, bonjour. Nous ne sommes pas là pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip. À bientôt. Bonjour. D'abord, un grand bravo pour la qualité des émissions, des enregistrements, tout l'environnement graphique du site. Moi qui aime la botanique. Je voulais simplement poser une question. C'était par rapport au podcast. Est-ce qu'on peut vraiment les télécharger pour pouvoir les écouter hors ligne sur un lecteur MP3 hors connexion? Voilà ma question. J'ai pas réussi à vraiment télécharger les podcasts. Merci beaucoup. C'est vrai que le podcast Floraison est sur beaucoup de plateformes de streaming, mais on n'est pas du tout obligé de passer par là pour les écouter. On peut aller directement sur le blog, sur la page d'un des podcasts qu'on veut télécharger. Tout en haut,
y a un lien « Télécharger le podcast ». Alors on va dessus, on fait un clic droit et normalement c'est écrit « Enregistrer la cible du lien sous ». Et à partir de là, on peut télécharger le fichier et le conserver pour l'écouter plus tard hors connexion. Voilà, bonne écoute.